Si tu regardes ces vidéos dans l'ordre, il y a normalement deux trucs qui doivent te choquer maintenant. Le premier, c'est que pour une fois, j'ai pas commencé la vidéo de correction d'un challenge par imaginons tel cas. Je commence toujours par dire imaginons, et puis là, c'est la vidéo 11, et bah, j'ai envie de changer. Deuxième truc, c'est que c'est la troisième fois en 11 challenges, c'est le troisième où je parle d'un tirage aléatoire. Pourquoi est-ce que j'en fais autant sur le tirage aléatoire qui est quand même un cas assez peu utile au final dans Excel, ça existe, hein, bien sûr, on le fait et quand on doit le faire, autant savoir le faire. Mais finalement, c'est assez peu de cas dans l'ensemble des choses qu'on peut faire sur Excel. Alors pourquoi je fais ça quand même? C'est parce que je pense que c'est vraiment l'un des trucs qui était un truc qui était impossible à faire avant le moderne Excel, impossible à faire facilement, rapidement et à modifier à chaque tirage. C'était toujours complexe, toujours biaisé, toujours pas efficace, toujours prenant plein de ressources, créer des colonnes en plus, faire des calculs intermédiaires, etc. Alors que maintenant, grâce au moderne Excel, grâce à plusieurs trucs dans le moderne Excel, c'est facile. Entre guillemets, facile. On va faire 67 caractères, si on ne l'avait pas supprimé. Troisième truc qui peut te choquer. Là, je n'ai pas supprimé la formule, je vais la supprimer maintenant. Faut pas regarder. Ah, maintenant, j'ai supprimé la formule. Maintenant, je vais corriger. Je vais montrer comment est-ce qu'on peut obtenir une liste ici de X candidats. On va prendre 5 candidats, c'est ça qui est dans la consigne. 5 candidats totalement aléatoires parmi cette liste. Pour faire ça, je vais devoir rajouter une colonne. Parce que j'en ai besoin, mais juste pour que vous puissiez bien suivre la manière dont va fonctionner cette formule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais créer dans un premier temps deux colonnes. Vous allez voir, je vais faire ça, c'est égal à ça. Dans cette colonne, je vais mettre les candidats qui sont là. Dans la colonne qui est à côté, je vais faire un tableau aléa de X lignes. Donc, si je fais par exemple trois lignes, je vais avoir trois nombres aléatoires. Et moi, je vais dire de faire de autant de lignes qu'il y a de valeurs dans ces données-là, dans cette page-là. Voilà, donc là j'ai un tableau aléatoire. Hop. Donc c'est-à-dire que j'ai des nombres aléatoires, totalement aléatoires, qui vont rester, qui vont changer du coup au fur et à mesure que je vais recalculer. Donc ici je peux cliquer sur calculer maintenant. Et j'ai des nombres aléatoires entre 0 et 1. Du coup, ça c'est parfait. Ici, j'ai une liste dans l'ordre, et ici, j'ai des nombres aléatoires, donc qui par défaut sont dans aucun ordre. Et moi, ce que je vais faire, c'est que ces deux trucs-là, je vais les coller ensemble dans une seule formule. Donc, je vais copier ça, hop, supprimer ce qu'il y a dans cette cellule. Et ici, je vais dire que je ne veux pas coller comme ça ne sera pas trop de sens, ce ne sera pas pratique. Ce que je vais lui dire, c'est je vais utiliser une fonction assemblH, pardon, assemblH. Donc ça va me permettre d'assembler horizontalement, donc assembler une colonne avec une autre colonne, par exemple. Je vais assembler horizontalement cet ensemble des candidats dans l'ordre avec ces nombres aléatoires dans aucun ordre. C'est pas mal. Pas mal, mais bon, ici, je n'ai pas changé l'ordre pour l'instant. Option de calcul. Enfin, si je calcule, il n'y a que ici qui change. Ici, j'ai toujours le même ordre. Heureusement, il y a une fonction qui s'appelle trier. La fonction trier va être parfaite pour ce que je veux faire. La fonction trier, qu'est-ce qu'elle va faire? Je lui donne un tableau. Ce tableau, c'est ma plage de cellules qui contient là les deux colonnes. Je vais dire tri en fonction de la deuxième colonne. Hop. Je fais ça et du coup, quelles que soient les valeurs aléatoires qui sont ici, j'ai tout le temps mes plus petites valeurs en haut et mes plus grandes valeurs en bas. Et sauf que comme j'ai demandé de trier l'ensemble du tableau par rapport à ce qu'il y a dans la deuxième colonne, finalement, mes valeurs de la première colonne vont switcher au fur et à mesure, vont s'intervertir pour être dans l'ordre qui correspond à la deuxième colonne. Alors ça, on avait déjà fait. Si vous faites la vidéo dans l'ordre, vous aviez déjà fait. C'est une occasion de refaire, hein, mais vous aviez déjà fait. Et si je suis pas mauvais et que vous n'êtes pas mauvais non plus, vous aviez déjà fait, vous aviez déjà compris, mais maintenant vous avez encore mieux compris, parce que j'ai peut-être encore mieux expliqué la deuxième fois, ou la troisième fois. Du coup, là, c'est bien. Mais j'ai trop d'informations. Ce que je vais vouloir faire, c'est prendre seulement certaines de ces informations. Et la fonction prendre va être faite pour ça. Je vais dire dedans tout ça. Donc là, ça s'appelle array parce que c'est en anglais, mais ça switch au fur et à mesure. Tout à l'heure, j'avais tableau. Là, j'ai array.
Donc là, je vais lui dire de prendre dans tout ça, la totalité de tout ça, point virgule, je vais lui dire de prendre par exemple une ligne et une colonne. Si je fais ça, il prend une ligne et une colonne. Si je lui dis, bah, prends trois lignes et deux colonnes, j'ai ça. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de prendre cinq lignes, mais seulement de la première colonne. Donc, je vais dire de prendre cinq lignes, parce que moi, je voulais cinq personnes tirées aléatoirement. Cinq lignes de la première colonne. Maintenant, je peux retirer ça. Et ici, à chaque fois que je vais actualiser, j'ai seulement cinq candidats admissibles tirés aléatoirement parmi ma liste des X candidats que j'avais, donc j'en avais 14. Et donc forcément, bah, ça se tire aléatoirement, ça change à chaque fois. Donc si jamais vous avez besoin que, une fois que le tirage a été fait, il soit sauvegardé, bah, vous devez faire un copier-coller valeur. Vous pouvez peut-être, par exemple, tirer aléatoirement, sélectionner les données, copier et les mettre, bah, voilà, ici, hop, les coller ici, accueil, coller, valeur. Ça, vous avez ça qui est stocké, et puis vous, ici, vous avez toujours gardé votre formule pour pouvoir refaire des tirages aléatoires à chaque fois que vous changez, donc par, à chaque fois que vous calculez, donc par exemple en cliquant dans formule sur calculer maintenant. Et voilà, et bien entendu, bah, si ce n'était pas 5, ça pouvait être seulement 3 candidats. Pas un petit 3 parce que c'est aléatoire, mais 3 candidats tirés aléatoirement parmi les 14. Voilà pour cette formule qui utilise du coup que des fonctions nouvelles sauf nombre val, c'est qu'il y a une fonction qui existait avant, vous allez prendre, trier, assemble h, tableau aléa, et en fait ce qu'on fait si on résume, c'est qu'on va mettre dans une colonne les valeurs dans l'ordre, les noms dans l'ordre, dans une nouvelle colonne des nombres aléatoires, ensuite on va trier les deux ensemble en fonction des nombres aléatoires, et ensuite une fois que ça c'est trié, on va prendre seulement les résultats qui sont les 5 premiers de la première colonne. Tout ça mis bout à bout, ça fait le taf. C'est, j'espère, pas limpide pour vous, mais ça fonctionne bien. Entraînez-vous, rendez-vous au prochain challenge.